Sam Seyan, ouais, voici Captain Fleur, c'est plus que le surnom de champion MZ, on s'entend pour une nouvelle aventure sur Black Desert Online. J'aime bien Shy. Je vais vous dire pourquoi. La magie, je l'aime pas. Et oui, c'est ça. Dans le fond, ce tour-là, c'est des tours défensifs. Puis oui, ça peut faire mal. Bon, ça peut, ça fait mal. Grand Chamberlain Joy, he cannot be trusted. Nous sommes en pleine réunion. C'est un moment décisif qui, j'espère, mettra fin à ce conflit une bonne fois pour toutes. Oh, tu dois être l'aventurier. Écoutez, aventurier. Ouais, je regarde son aventurier. Donc, on va parler Fenia. Merci d'avoir admiré la sécurité du poste de garde ouest. As-tu entendu parler de Nero? C'est le puissant chef effrayé. Il est parvenu à gagner en puissance grâce au artefact de la salle de pierre. D'ailleurs, nous discutions justement de qui envoyer en mission. Nous cherchons quelqu'un capable de passer au travers des lignes ennemies afin de trouver une rouge. Fena ne tarit pas des logs à son sujet. Que dirais-tu de participer à cette mission? Je vois que ton regard est empreint de détermination. Voilà qui est encourageant. Il faudra d'abord te préparer. Va donc faire la connaissance de notre forgeron Miguel Harry. Il doit avoir de l'équipement en réserve pour toi. Recently, the imp captain, Red Nose, has been causing trouble. Bon, alors on voit le forgeron. Qui est juste là. Bienvenue. Tu es donc la personne qui a gagné la confiance du commandant Cliff. J'aimerais pouvoir te défier en duel un jour, mais en attendant... Tiens, voilà l'armure de Brior. Alors, qu'en penses-tu? Tu aimes l'armure que je t'ai donnée? Si tu cherches un meilleur équipement, n'hésite pas à revenir me voir. Ma porte est toujours ouverte pour les aventuriers de ton envergure, mais cela ne sera pas gratuit. Fenia t'attend déjà. On t'est d'ailleurs reconnaissant d'avoir aidé notre capitaine. Moi, bon, je voudrais trouver comment changer. Vêtements. Ça, je me tape. Bon, on a déjà un début.
ma réponse. On change de vêtement comme ça. Ah ouais. Alors ça, tu peux plus l'enlever. Oh, tu es là, j'aimerais te remercier à nouveau. Le chariot est cassé, mais tout le monde a pu rentrer sain et sauf. De nombreux soldats ont été blessés. J'ai besoin de trouver un traitement efficace. Les esprits des arbres se régénèrent si vite. Si on arrive à découvrir le secret de leur vitalité, on peut peut-être nous sécuriser un soldat plus vite. Tu sais quelque chose sur les petits esprits des arbres? L'esprit des arbres d'Herbertat. Comme je le craignais, c'est moins simple que ça en a l'air. Les gens ont vraiment perdu le sens de la gratitude. Plus personne ne sait dire merci. J'aide un soldat à moitié mort. Il ne fait que se plaindre de son casque perdu. Je sais que ce casque coûte cher, mais quand même. Tu peux retrouver son casque, s'il te plaît? Je sais pas si ça me tente. Est-ce que je dois te refuser? Bof. One of my soldiers at the security tower knows about forest of seclusion. Usez au pire. Parce que ça me... Bah, viens à vous des débuffeurs, puis tu pourrais invoquer Nero. Oh. D'accord. There are only sacrifices in war. Bah. Oh, on va s'amuser. C'est que ça veut dire. Il en faut 5. Et voilà. Ah, tu dois être à la hauteur de ta réputation. J'ai entendu dire que le commandant Cliff a une confiance totale en toi. Tiens, prends cette armure de 2006. Cette arme de 2006. Et n'oublie pas de ne pas baisser ta garde pendant le combat. Ces Ifrit ont un champ au nord d'ici. Ceux que tu as vaincus venaient probablement de là-bas. Aller plus loin est très dangereux. L'émission, c'est important, mais ta vie compte plus que tout ça. Il n'arrête pas d'en arriver, cela semble être sans fin. Mais il en faut bien plus pour me faire peur. Là, ça va être du combat aujourd'hui. Yeah.
You need to lower the voice. We are finished if the red nose catches us. The Red Nose Club is enormous. This cave connects from Logia Farm. No one's studying the imps, thus it is my duty to. Have you seen the red nose? The body's a mutant, definitely. Thank you.
imp you can talk to was in the cave. If my memory serves me right, his name is Tiny. Thank you.
Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure malgré que vous avez juste entendu la musique et les sons du jeu. Je suis sincèrement désolé. En analysant le tout, j'ai bien sûr, durant la vidéo, j'ai coupé le micro, mais je l'ai remis, c'est pas ce moment-là, je ne l'ai pas oublié. J'ai analysé la vidéo, puis j'ai dû l'accrocher involontairement. Alors, c'est ça que ça donnait. Je suis sincèrement désolé. C'est sûr que cette vidéo-là, je proposais, a été faite au mois d'août. Quasiment, je pense que tout de suite après la première vidéo de Desert Hotline. Alors, ça ne tentait pas de le recommencer du début de l'histoire. Surtout ça, dans le fond. Il va y avoir une troisième vidéo qui est déjà prévue, pas faite, heureusement, on va dire, mais déjà prévue, ça je peux vous le garantir, à moins que je l'ai constaté puis que je l'ai laissé faire, peu importe, je m'en souviens plus, mais même si ça dépend un peu avec l'autre, c'est pas grave, mais je suis sincèrement désolé, ce n'est pas volontaire. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.